Donc, sous vos acclamations, nous allons accueillir l'apôtre Douglas. Acclame, acclame. Seigneur, bonsoir à tous. Tu peux m'aider à saluer ton frère, ta soeur de gauche et de droite. Tu es au bon endroit et au bon moment. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Je bénis le nom du Seigneur pour ce séminaire. Pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir être ensemble, partager la parole de Dieu. Je remercie aussi le père de la maison, le père de cette grande vision, l'apôtre Germain, ainsi que son épouse. Encore merci à l'apôtre Max et à son épouse et à tous les pasteurs qui sont là, tous ceux qui servent Dieu dans cette assemblée, tous les ouvriers et vous tous qui êtes là. Nous sommes bénis de passer ce moment ensemble. Et nous sommes très très bien accueillis, très bien reçus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous comble. Et comme on l'a dit, nous sommes là pour 3 jours. Où nous parlons sur détruire les œuvres de la sorcellerie. Et dès le premier jour, le Saint-Esprit nous a aidés par sa grâce à toucher l'aspect de détruire les œuvres de la sorcellerie dans l'Église. Et hier, nous avons abordé le thème de symptômes de la sorcellerie. Et ce soir, Dieu va nous faire grâce encore. Alors, j'aimerais que tu touches ton voisin et tu lui dis, ne dors pas. Non, dis-lui, je te surveille. Regarde, touche-le comme ça. Dis, je te surveille. Notre réunion aura 2 volets. Le volet où nous allons prêcher la parole de Dieu. Et l'autre volet où nous allons prier. Et je crois que ce soir, quelque chose va se passer. Je dis bien, quelque chose va se passer. Ok, tu ne le crois pas, mais je te dis de la part de Dieu, quelque chose va se passer. Nous ne sommes pas responsables de ce qui va se passer. Mais Dieu va glorifier son nom. Et Dieu va nous libérer. Je m'inclus moi-même. Dieu va nous libérer de toute œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi,
Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Nous entoure. Chante avec moi ta nuée. Ta nuée nous entoure. Nous entoure. Nous entoure. Ta nuée nous entoure. Elle nous entoure. Nous, ta présence nous entoure. Elle nous entoure, nous entoure. Ta présence nous entoure, nous entoure. Oh, ta présence, alléluia. Elle nous entoure. Ta présence nous entoure, nous entoure. Ta présence, ta présence, elle nous entoure. Ta présence, Shayandarabosu, Shandabarabasa, ta présence, elle nous entoure, elle envahit ce lieu. Oh, ta présence, oh, elle nous entoure, elle nous entoure. Oh, je la veux, je la désire. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de ta présence. Cette nuée, cette gloire qui accompagna Moïse dans le désert. Ta présence, c'est ta présence qui fait la différence. Ta présence, ta présence, ta présence marque ce lieu par les empreintes de ta présence. Ta présence, elle nous entoure, nous entoure. Ta présence nous entoure, Shanabarabasu, nous entoure. Ta présence, je la veux, je la désire. Ouvre le ciel et descends. Moins-moi de ta gloire, moins-moi de ton onction. Seigneur, équipe-moi, Seigneur. Oui, moins-moi pour ta gloire, moins-moi. Je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Je suis faible sans toi. Oh oui, inspire-moi ta parole, inspire-moi. La profondeur, oh oui, de ton esprit, ta présence, ta présence, ta présence, sature ce lieu de ta présence. Shandaraba, 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 kuraba, shandaraba, partout où l'ennemi a voulu miner ce lieu, qu'il soit complètement, oh Dieu, dans la confusion, je dis ta présence. Ta présence, Chandrabo, Sorobo, Raba, Saraba, ta nuée, elle nous entoure,
enveloppé par l'esprit. Je veux être enveloppé par ton esprit. Ta présence, je la veux, je la désire. Oui, appelle la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Avant que nous puissions entrer dans la parole, que Dieu oigne sa parole. Pas une parole comme d'habitude on entend, mais une parole qui vient du ciel. Une parole destinée à chacun d'entre nous. Une parole remplie de vie. Une parole remplie de souffle de Dieu. Une parole bénie. Une parole qui vient du ciel. Un message qui bouleverse nos vies. Un message qui change notre destinée. Un message qui nous bouleverse. Un message, oh oui, qui nous amène la liberté. Oui, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Un message venant du ciel. Oh oui, que le règne de Dieu vienne. Que le royaume de Dieu vienne en ce lieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ta présence. Ta présence. Oh, Lord, in my skin, in my skin, glory, glory, look in the brain. In my skin, walk in the brain. I am Nabara Shanda, Rena Maraba Shanda, Rabadaba. Oh, ta présence, elle nous entoure, ta présence, ta présence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Marie, mon Dieu, où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, Esprit de Dieu? Viens, viens, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi, oh oui, de ta gloire. Remplis-moi de ta présence. Oui, fais de moi une boule de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi un instrument. Oui, de ta gloire. Par lequel tu vas passer pour bénir ton peuple. J'ai besoin, j'ai besoin. J'ai besoin, j'ai soif de toi. Viens, mon Dieu. Inspire ta parole. Mon Dieu, donne le discernement. Donne, mon Dieu, ta gloire, ta puissance. Touche comme tu veux, guéris comme tu veux, délivre comme tu veux. Je prie, Seigneur, que ta gloire soit manifeste, visible et palpable. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé, que Jésus soit magnifié. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là, il est là. Il est en train de prendre place dans les cœurs. Il est en train de prendre place dans nos vies. Oui, cette soirée est une soirée du Saint-Esprit. Cette soirée est une soirée scellée par le Saint-Esprit. Cette soirée est une soirée de visitation divine. D'impactation, une soirée où glow my skin glow for the look in the brain, when the mind grew, sander suitable, mind blue, good about. Alléluia. Je respecte ta présence, je vénère ta présence, j'adore celui qui est assis sur le trône de gloire, j'adore Jésus, le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Je m'incline et je me prosterne devant le Dieu des esprits des prophètes. Oui, il dit, ouvre ta bouche et je la remplis. Et poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, rempli d'assurance, de feu, de vie, de puissance, d'autorité, de gloire. Nous sommes venus rendre témoignage à Jésus. Nous sommes venus glorifier ton nom. Nous avons quitté nos lits. Nous avons quitté nos occupations. Ton peuple est venu à ta rencontre. Que personne ne sente ici tel
tel qu'il est venu, personne, moi le premier, je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Je veux un plus de toi, je veux que tu me touches, je veux que tu me touches, je veux que tu touches chacun d'entre nous. Oui Seigneur, fais ce que tu veux, accomplis tes plans, accomplis tes désirs, accomplis ta volonté et fais-nous du bien par ton esprit et par ta parole. Entre tes mains, je m'abandonne complètement, comme un simple instrument. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner. C'est toi l'enseignant par excellence. Oui, viens. Ouais, ma bouche, mes mains, mes yeux, mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Et je chasse tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom de Jésus, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit de ténèbres, de sorcellerie. Je brouille toutes les réunions mystiques. Partout où il y avait des réunions de sorciers contre ce programme, contre cette église, de ce ministère, contre tes enfants, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'armée céleste que tu as déployée, pas seulement dans ce lieu, mais toute la ville, dans tout ce quartier. Que l'on sache que tu es Dieu. À Matari, que l'on sache que tu es Dieu. Nous déclarons la ville de Matari pour Jésus de Nazareth. Oui, nous prenons cette ville pour toi. Nous arrachons les armes des liens de la ténèbre. Nous arrachons les vies des liens de la sorcellerie. Nous prenons cette ville pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mambrama, sambrama, sambrama. Quelque chose est en train d'arriver en ce lieu. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Quelque chose, quelque chose. Quelque chose arrive en ce lieu. Mine glow, son of mine, brain of mine, go. Swing of my skin, a blow, for the look in the brain. Ta présence, ta présence nous entoure. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Hallelujah. 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 Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ 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 de Nazareth, Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est toi qui chantes toutes choses. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Sa présence est tellement forte en ce lieu. Sa gloire s'installe, envahit nos vies. Oh, 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 oh.
Sainte bride, je vénère ta présence et je respecte ta présence. Elle est merveilleuse. Alléluia. 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 Nous bénis ta présence, ta présence. Elle change toutes choses. Ta présence, Éternité. Quand Dieu est là, quand Dieu est là, quand Dieu est là, il est là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi ce soir. Praise and serve the Lord. The glory of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, le verset 31. Actes chapitre 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent : crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hébreux chapitre 11, le verset 7, la première partie. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. On nous parle de Noé qui a construit l'arche dans le but de mettre sa famille à l'abri. Nous voulons nous appuyer sur ces deux textes pour parler sur le fait de détruire les œuvres de la sorcellerie dans les familles.
Détruire les œuvres de la sorcellerie dans les familles. Nous avons eu à définir la sorcellerie. On a vu que les sorciers étaient des personnes qui, par leurs œuvres ou par leurs désirs, et ils sont animés par des mauvais esprits, par des démons, dans le but de faire du mal et dans le but de détruire, de tuer. On a vu que la sorcellerie était une branche de l'occultisme. Dans le même rang que la divination. Et que c'était une œuvre du diable. D'où venait la sorcellerie? La sorcellerie vient du diable. Et le diable compte sur la sorcellerie pour assujettir le monde à sa cause. Il compte sur la sorcellerie pour bloquer des vies, détruire les vies. D'Apocalypse 12, il est dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Et il fait tout son possible pour détruire les hommes. Et il a tellement assujetti le monde à sa cause. Et qu'il est en train de réussir. Vous retrouvez la sorcellerie partout, dans toutes les couches sociales. Et dans tous les pays. Dans tous les continents. Parce que c'est une œuvre de la sorcellerie, une œuvre du diable plutôt. Il nous faut le discernement spirituel pour savoir comprendre comment est-ce que le diable fonctionne. On a vu dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de Corinthe en disant ceci: il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Donc le diable a des desseins, il a des projets, il a des plans. Il a des œuvres. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Paul dira même plus loin dans Éphésiens: ne prenez point part aux œuvres infectueuses de ténèbres, mais condamnez-les. Il faut le dénoncer, le dévoiler. Ensuite, il faut le détruire. Donc la sorcellerie vient du diable. Mais lorsque nous lisons Galates chapitre 5, nous voyons que la sorcellerie vient aussi de la chair. Galates chapitre 5 verset 19 à 22, on nous parle des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, on nous cite la sorcellerie, on nous cite la magie. Je vous ai dit que le mot sorcellerie ne se retrouve pas dans la Bible. La Bible utilise plutôt l'expression magie. La Bible utilise l'expression enchantement ou encore des sortilèges. Et ces trois mots utilisés dans la Bible nous parlent de la même chose, de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a créé le monde, tout était bon, tout était parfait. La Bible déclare que Dieu prit 6 jours pour créer le monde. Et le sixième jour, la Bible dit que Dieu dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui sont sur la terre. Donc, l'homme que tu es, que je suis,
Nous avons été créés pour dominer, pour régner. Et voyez-vous ceci, nous étions à l'image de Dieu. Et Dieu crée l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Dieu n'a pas béni Adam. Dieu n'a pas béni Ève. Mais Dieu a béni Adam et Ève. Donc Dieu bénit la famille. La famille est le plan de Dieu. Le plan conçu par Dieu. Pour que la bénédiction puisse retomber. Mais également pour se multiplier et remplir la terre. La famille fait partie du plan de Dieu. Et Dieu est le bâtisseur et le consulteur de la famille. Et le diable vient lui pour détruire la famille. Et nous voyons le diable agir de la Genèse. Alors je t'ai demandé de surveiller mon frère, ma soeur, ne dors pas. Il y en a qui sont certainement fatigués, mais il faut être éveillé. Parce qu'avant de prier, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Donc Dieu a béni la famille. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu bénit ta famille. Oulala, 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 je ne t'entends pas parler. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu bénit ta famille. Aujourd'hui, il faut que les familles soient bénies. Ah, il faudrait que là où la sorcellerie agissait aujourd'hui, on va mettre un terme à ces choses au nom de Jésus. Dieu les bénit. Et quand Dieu bénit, il ne te donne pas l'argent. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est l'argent. L'argent n'est pas la bénédiction, mais l'argent est une conséquence de la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité de pouvoir progresser dans la vie. Quand Dieu te bénit, il te met sur l'autoroute du succès. Il te met sur l'autoroute de la progrès, du progrès. Voilà pourquoi la première conséquence de la bénédiction, il dit soyez féconds. Être fécond veut dire être productif. Et il dit multiplier. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Et dominez. Et quand le diable vient, il vient pour faire le contraire de ce que Dieu a dit. Là où il y a l'œuvre de la sorcellerie, il y a la stérilité. La stérilité sur le plan spirituel, voire même la stérilité sur le plan physique. Il y a beaucoup de gens qui sont stériles. C'est une des conséquences de la malédiction que notamment la sorcellerie amène. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Prenez avec moi Genèse chapitre 3. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Que l'Éternel avait fait. Le diable est passé par cet animal qu'on appelle le serpent. Et hier, je vous ai montré que la sorcellerie utilise beaucoup le serpent. Derrière le serpent, ici, vous pouvez voir l'esprit de la sorcellerie. Et une des caractéristiques du serpent, c'est la ruse. Et la ruse, c'est quoi? C'est l'art de dissimuler les choses, de cacher les choses,
dans le but de tromper, dans le but d'agir secrètement. C'est la malice. Alléluia. Amen. Avec la ruse, on trompe les gens. Et beaucoup de sorciers utilisent la ruse. Et dans nos familles, il y a des sorciers rusés, des gens rusés. Et ils travaillent dans le but de détruire la famille. Alléluia. Il y a un poète français qui a dit ceci. Une des plus grandes malices du diable, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Frères, sœurs, je parle de ce message, ça libère énormément de gens par la grâce de Dieu. Mais vous avez des gens, voire même des serviteurs de Dieu qui me disent, mais il ne faut pas prêcher ces choses parce que la sorcellerie n'existe pas. Il y a des sorciers dans les églises, il y a des gens possédés dans les églises. Ils disent, ne parlez pas de ces choses. C'est la ruse du diable. Une des ruses du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, on ne peut pas le chasser. Mais la Bible dit qu'il existe et on va le chasser au nom de Jésus. Et ce soir, c'est toi qui vas chasser le propre sorcier de ta famille, parce que ta famille doit être libérée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le serpent vient ici, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à la femme. Une autre caractéristique du serpent de la sorcellerie, nous voyons, c'est le venin. Alléluia. Amen. Le serpent parle. Il utilise la langue. La raison pour laquelle vous devez être très vigilant lorsque les gens parlent dans vos familles. Vous pouvez facilement détecter l'esprit de sorcellerie dans la famille par les paroles. Alléluia. Tout le monde est avec moi ici. Est-ce que tout le monde est avec moi? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez-moi ici, regardez-moi. Il y a des gens dans vos familles qui ne font que parler du mal, du mal, du mal. Vérifiez bien, il y a la sorcellerie dedans. Il y a des gens qui vont vous maudire. Vous n'avez rien fait, ils te maudissent. Il va te dire, toi tu ne réussiras jamais dans la vie. Toi tu ne te marieras jamais. Ah, toi tu n'auras jamais de l'argent. Toi tu ne voyageras jamais. Frères et sœurs, ne prenez pas les paroles à la légère. Il y a une puissance derrière chaque parole. Et lorsque dans ta famille on utilise des mauvaises paroles, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois briser cela. Tout le monde est avec moi. Lorsque quelqu'un vient dire des mauvaises paroles, n'accepte pas. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle et ta tante, brise cette parole. Oh, toi tu n'iras pas loin. Sans effet. Oh, j'entends quelqu'un dire ce soir, sans effet. La Bible dit, toute arme forcée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se levera en justice, tu la condamneras. À partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche, commence à condamner les paroles de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Condamne les paroles de la sorcellerie. Bondoki. Le premier jour où je vous ai dit que les sorciers viennent à l'église, ils maudissent l'église. Vous savez, les gens qui font la sorcellerie, vous allez le voir, souvent ils dansent nus et ils déclarent des paroles. Ils déclarent des paroles. La sorcellerie. Bondoki. La langue des vipères. Oh, côté ya nyoka. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'on te maudit, toi,
bénis ta famille. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, je disais au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont venus maudire Jérémie le prophète. Ils ont dit, tuons-le avec la langue. Après avec la langue, on peut te tuer. On peut tuer ton avenir. On peut lier ta destinée. Mais au nom de Jésus, ça va être arrêté aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, ça va être arrêté. Avec la langue, on peut t'envoûter. C'est quoi l'envoûtement? C'est la capacité surnaturelle d'agir sur les choses ou sur les hommes. Lorsque tu es envoûté, tu fais des choses toi-même tu ne comprends pas. Tu es intelligent, mais tu agis comme quelqu'un qui est bête. Tu es marié, tu as ta femme, mais tu cours après les jupons. Tu cours après les jupons. Toi-même, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui vous envoûtent comme ça pour te faire faire ce que tu ne veux pas faire. Avec la langue, on envoûte les gens. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 23. Le verset 12 au verset 14, on nous parle d'un certain nombre de personnes qui ont voulu envoûter Paul. Ils ont fait des imprécations. Ils ont fait des jeûnes. Ils ont dit, nous ne mangerons pas jusqu'à ce que Paul meure. Frères et sœurs, ces choses sont réelles. Il y a les gens, quand ils vous voient réussir dans la vie, ils sont jaloux et ils font tout pour que tu es sous. Pourquoi toi, tu voyages souvent en Europe? Pourquoi elle, elle est mariée? Pourquoi dans sa famille, tous les enfants se marient? C'est moi, les enfants ne se marient. Et les gens vont commencer à libérer des paroles pour vous envoûter. Et ce soir, je dis ce soir, je dis ce soir, je détruis toutes les paroles de malédiction, des paroles de condamnation libérées contre ta vie. Alléluia. Amen. Et surtout dans le domaine professionnel, il y a des gens qui vont toucher le fétiche et ils vont venir là où dans ton bureau, peut-être s'asseoir sur ta chaise, libérer des paroles, laisser des choses. La sorcellerie est une réalité, est une réalité. Veillez même sur les enfants qui vont à l'école. Il y a des professeurs sorciers qui essaient d'envoûter les enfants par leurs paroles. Mais nous brisons cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Moi, je connais dans ma famille quelqu'un qui disait, moi je ne peux pas réussir. Et je me suis levé contre cette personne. Et bizarrement, aujourd'hui, j'ai réussi, lui ne réussit pas. Les mauvaises paroles. C'est pourquoi toi, parent, tu ne peux pas libérer des mauvaises paroles sur tes enfants. Même quand l'enfant fait des bêtises, toi là, tu es maudit. Toi là, tu insultes l'enfant. Tu es le propre sorcier de ton enfant. La langue. Beaucoup sont sorciers par la langue. Beaucoup reçoivent l'envoûtement par la langue. Regardez ce que le serpent a fait. Toujours le verset premier. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez.
Regardez ici ce que le serpent va faire. Il va entraîner la femme, c'est-à-dire la première famille. Là, nous sommes à la Genèse, la première famille, à désobéir à Dieu. Il a poussé la femme à manger une nourriture empoisonnée. La deuxième forme d'envoûtement, c'est par la nourriture. Je l'ai dit rapidement hier, par la nourriture on peut t'envoûter. Jésus dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et ailleurs Jésus dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais lorsque le serpent vient, il pousse la femme à désobéir, à se rébeller. L'esprit de sorcellerie conduit les gens à la rébellion. Il amène les gens à ne plus s'attacher aux engagements qu'ils ont pris et à manger l'interdit. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit: mais manger, seulement manger. Oui. Dans la Bible, manger a plus de sens que le fait de prendre quelque chose et mettre dans la bouche. Le verbe manger dans l'hébreu signifie akal, qui veut dire participer, être en communion. Manger ce fruit défendu et être en communion avec le monde des ténèbres. La Bible dit: ne soyez pas en communion avec les démons. Et Ève et Adam, lorsqu'ils ont mangé, ils ont ouvert la voie à la sorcellerie dans leur vie. Alléluia. Amen. Tu dois veiller à la nourriture que tu manges. Très souvent, par la nourriture, on envoûte les gens. Alléluia. Amen. Frère, il ne faut pas dormir. Des fois, les démons sortent pendant la prédication, ils peuvent rentrer en toi. Histoire vraie. En 2001, on a reçu un frère qui venait de se marier au Congo. Et quand il est rentré en France, il commençait à se sentir mal, des maladies bizarres. On l'a pris en retraite. Je me rappelle, on l'a pris en retraite pendant une semaine. Parce que quand on a commencé à prier pour lui, il est devenu fou. Vous imaginez, quelqu'un vient à l'église et devient folle. La personne devient folle. Alors on s'est décidé de rester là. Et on a prié pour la personne. Et il a commencé à avoir des manifestations. L'esprit de sorcellerie a commencé à parler à l'esprit humain, en disant: c'est moi Satan qui l'a envoûté. Comment est-ce que tu es rentré là? Lorsqu'il est venu se marier au Congo, alors qu'on était dans la fête, on a donné à tout le monde des poissons salés sauf à moi. Donc à cause de l'ikayabu, fais avec moi. En Afrique, on peut te bouffer à cause des chaussures. On a vu les gens frapper, être frappés par cette maladie, la lembasu. Tu marches sur quelque chose comme ça. Sorcellerie. Mais je te dis au nom de Jésus, à moins que tu ne sois pas un vrai chrétien, si tu es un vrai chrétien, même si tu as marché sur le mbasu, ça ne va rien te faire. Ah non, tu n'as pas bien compris. Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas marcher sur ça. Tu vas écraser ça. Ah, il a dit, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de points. Tu écraseras les montagnes. Oh, je veux te dire que tu es plus dangereux que tu ne penses. Ah, aujourd'hui, la sorcellerie va perdre sa force dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Attention. C'est pour ça hier je disais avant de manger il faut prier. Regarde ton voisin, dit prie avant de manger. Non, tout est sanctifié, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alléluia. Amen. Comment est-ce que la sorcellerie agit dans les familles? Très souvent, il est difficile de contracter ou d'avoir la sorcellerie par une autre famille. Hier, nous avons parlé un peu de moyens de transmission de sorcellerie. On a parlé de l'initiation. Tu peux être initié parce que tu es parti voir un grand sorcier, un féticheur. Tu peux être aussi initié parce que tu as eu des rapports intimes avec quelqu'un qui était sorcier ou sorcière. C'est pour cela qu'il faut fuir l'impudicité. Beaucoup sont devenus sorciers parce qu'ils ont eu la sémence. Alléluia. Amen. Et d'autres encore par d'autres procédés que je vais expliquer tout à l'heure. Mais généralement dans les familles, la sorcellerie se transmet par le sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Lévitique chapitre 17 verset 11. Et chacun d'entre nous ici, nous naissons dans une famille. Nous héritons le sang de nos parents. Le sang du côté de papa. Le sang du côté de maman. Tel que tu es, tu es le résultat de deux héritages. L'héritage du côté paternel et du côté maternel. Et là où il y a eu la sorcellerie, là où il y a eu le pacte de la sorcellerie, lorsque vous naissez dans cette famille-là, il y a en vous un sang de sorcellerie. Même si tu n'es pas sorcier conscient, mais il y a en toi des dispositions de sorcellerie. Par les liens de sang. Et les liens de sang sont des liens très forts. Des liens qui agissent de génération après génération. Il y a nos parents. Il y a certains de nos parents qui avaient vendu la famille aux esprits, aux démons, pour avoir de la richesse, pour avoir le pouvoir, pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner. Et lorsque ils ont signé ces pactes, les esprits ont pris en compte la famille. Et ces esprits-là font ce qu'on appelle des réclamations. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas que même quand vous venez à Jésus, vous avez l'impression que les choses sont comme bloquées. Parce que dans le sang, il y a la sorcellerie. Et il y a des réclamations dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi?
Est-ce que tout le monde est avec moi ce soir? Je vais voir ta main comme ça. Salue un peu le Saint-Esprit. Okay. Tout ça, c'est pour lutter contre le sommeil. Alléluia. Amen. La sorcellerie par le sang, c'est ce qu'on appelle aussi la sorcellerie générationnelle, qui se transmet de père en fils, de mère en fille. Et en général, on sélectionne le premier-né. Parce que le premier-né a la vertu de recevoir la double portion de son père ou de sa mère. Et le but, c'est de gâcher sa vie. Mais que cette personne aussi devienne comme le gardien de la sorcellerie dans sa génération. Alléluia. Amen. Vous lirez plutôt dans le livre de Ézéchiel chapitre 16. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. On nous parle ici de l'histoire de Jérusalem. De ses origines. Et de par son origine. Ou ses racines. Nous voyons des racines plongées dans la sorcellerie. La plupart de nous, d'entre nous ici, de ces familles qui sont ici, nos ancêtres ont pratiqué la sorcellerie. Nous sommes nés dans des cultures où la sorcellerie est une base. C'est tout à fait normal de faire des fois des sacrifices de coq de poule pour X ou Y raison. Pour X ou Y raison. C'est tout à fait normal. En cas de besoin, de problème plutôt, que les parents aillent consulter, voir les sorciers. Donc nous sommes nés dans cet environnement. La base de la plupart des sociétés, c'est la sorcellerie. La base de nos familles, c'est la sorcellerie. La base de nos villages, c'est la sorcellerie. Et lorsque nous ne sommes là, nous avons en nous des liens de sorcellerie. Je vais vous donner un exemple. J'étais converti au début de ma conversion. J'avais déjà voyagé pour la France. Mais je faisais toujours des rêves où je me retrouvais au pays, dans la maison familiale. Des fois, je me retrouvais sous l'eau. Je me retrouvais en prison. Mais je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'arrivait? Et je vous ai dit hier ou avant-hier que j'ai dit, Dieu m'a conduit dans un jeûne de 40 jours pour briser les liens de la sorcellerie dont j'étais victime. Alors que j'étais déjà chrétien. Pourquoi? Parce que dans notre sang coule la sorcellerie. Et Dieu est venu pour nous libérer de ça, de cette emprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Ézéchiel 16, quand vous lirez, le Seigneur était obligé de laver Jérusalem. Parce que Jérusalem est baignée dans son sang. Il devait le frotter avec du sel. Il devait le frotter avec du sel. L'image de la purification. Pour que Jérusalem soit dégagée de l'influence satanique. Et si tu n'es pas libéré, mon frère, ma soeur, tôt ou tard, ça va te rattraper. Vous voyez lorsque un animal est attaché par une laisse, l'animal peut avoir un semblant de liberté quand il avance. Mais il y a des limites qu'il ne pourra jamais franchir. Et c'est ça l'image de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il y a des blocages.
Il y a des choses que tu ne peux jamais atteindre. Des niveaux que tu ne peux jamais atteindre. Des choses que tu n'auras jamais. Parce qu'il y a des lois établies dans la famille. Et quand tu veux te lever contre cela, les esprits peuvent dire, qui es-tu pour changer l'ordre de la famille? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de briser ces choses au nom de Jésus-Christ. Je dis, on a le pouvoir de briser ces choses. Alors, comment reconnaître que la sorcellerie agit dans ta famille? Je vais vous donner quelques signes rapidement. Je vais d'abord commencer chez les enfants. Quand vous voyez dans votre famille, vous avez des enfants qui sont tellement têtus, plus que la têtutesse. Regardez-le bien. Il y a dû avoir une œuvre de la sorcellerie cachée derrière. Un enfant qui a un cœur tellement dur. Tellement dur qu'il est capable de faire du mal. Il est encore petit, mais quand il se bat avec son ami, il faut que le sang coule. Je vais te tuer. Vérifiez bien, il y a l'œuvre de la sorcellerie derrière. Quand vous voyez un enfant mentir comme il respire, c'est vrai, il y a des enfants qui mentent. Hein? Généralement, les enfants mentent un peu. Bon, je ne parle pas de ça. Mais il est menteur, il est enfant, mais il ment. Frère, sœur, il y a des prédispositions de sorcellerie dans sa vie. Quand vous voyez l'orgueil démesuré, signe de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un enfant être mal propre, malgré le fait que vous l'amenez à se laver, il aime être sale dans son corps. L'esprit de cochon. Je vais arriver, même chez les adultes. Hein. Il y a des gens, quand tu l'approches, tu fais grave. Hallelujah, Robo Shaka. Très souvent, il y a l'œuvre de la sorcellerie derrière. Il y a certaines choses que Dieu m'a donné comme discernement. C'est ce que je suis en train d'énumérer. Lorsque vous êtes en face d'une personne, vous pouvez directement savoir quel esprit l'anime et comment attaquer ça par la prière. Alléluia. Amen. Oh, tu dors déjà. Alléluia. Un enfant très compliqué, plus compliqué que je ne sais pas qui. Moi, na moko ma tata. Bosa la boye boye te. Bochongi sa boye boye te. Tonde ka boye boye te. Œuvre de la sorcellerie. Misala ya bon. Difficile à supporter. Oh, pas si pour être que kokanga motema. Un enfant qui n'écoute jamais les parents. Il n'écoute jamais les parents. Yo kaka te. Oyo lobi na ya sala te ya. Frère, sœur, vérifiez. Ne dis pas que moi dans ma famille il n'y a pas la sorcellerie. Peut-être dans la famille de ton compagnon il y a l'œuvre de la sorcellerie qui se transmet dans la vie de l'enfant. Et ça doit être détruit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un enfant qui est intelligent mais qui ne fait qu'échouer à l'école. L'échec. Je suis en train de suivre un couple d'anciens ils sont basés à Dakar au Sénégal. Une famille bénie, très intelligente. Ils ont eu à héberger quelqu'un de la famille sans demander le conseil de Dieu. Et la personne a communiqué la sorcellerie à ses trois enfants. Je vous assure, le papa souffre. Hein. Il est à Paris presque tous les 3-4 mois. On doit se voir prier. D'ailleurs, il veut que j'aille au Sénégal pour ça. Elle me dit, pasteur, j'ai tout fait pour l'enfant. L'enfant va à l'école. Je paye des professeurs pour des cours supplémentaires. À la maison, l'enfant travaille bien. Mais l'enfant arrive à l'école, échec.
l'enfant oublie tout. Parce que le but de la sorcellerie, c'est de fatiguer les parents. Que tu en aies assez, que tu en aies marre. C'est pour cela qu'il faut veiller sur les enfants. Y a-t-il des gens qui ont des enfants ici? Veillez sur les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand vous engagez des nounous à la maison, priez que Dieu vous montre l'état d'âme. Il y a des gens qui amènent le feu étranger dans le but de détruire vos enfants. Vous avez un enfant qui est là, qui est tout le temps distrait. Quand tu lui parles comme ça, l'enfant est distrait. Signe de la sorcellerie. Oui, oui. Elle a bien dit, hein, tu l'as envoyé prendre l'assiette et t'amène le vêtement. Est-ce que tu me comprends? C'est comme si son esprit est ailleurs, en prison, quelque part. Des enfants qui ont toujours envie de dominer tout le monde. Surtout en France, il y a des enfants qui dominent même leurs parents. Maintenant, il y a même une émission qu'on appelle Super Nanny. On invite des psychologues pour venir essayer de calmer un peu. Sorcellerie. Comment un enfant peut tenir tête à son père, à sa mère? Tata, tata na mama. Il y a même des enfants qui vont jusqu'à taper leurs parents. Mais c'est une malédiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Derrière la sorcellerie, il y a la malédiction. Vous avez des enfants qui ont du mal à grandir. La croissance est quasi nulle. Tu le regardes, tu le donnes. Il a 15 ans. Mais il a le corps d'un enfant de 7 ans. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? D'autres encore, il est jeune, mais il a le visage d'un cocoba. Fais avec moi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon côté. Moi, on m'a montré un enfant. Il a fait. Oh, je dis, oh. Oh, jeune. La sorcellerie fait des dégâts, frère. Bon, donc, ils ont ça là. Ma camboya, ma bé. Mandeko. D'autres sont comme mentalement bloqués. Ils raisonnent comme un petit gamin. Parce qu'on a volé son intelligence dans le monde de la sorcellerie. Frère, soeur, tu es obligé, tu es appelé à être intelligent. Amen. 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 Plus de limitations. Plus de retard mental. Amen, 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 amen. Amen. Et quand les enfants sont affectés par la sorcellerie, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les parents souffrent. Je connais des parents qui sont riches, qui t'appellent, qui disent, on n'en peut plus notre enfant. Dans d'autres familles encore où il y a la sorcellerie, vous allez voir, les enfants sont soit mongols. D'autres encore sont comment ça s'appelle cette maladie là? Non, pas épilepsie. Bah, c'est vrai que l'épilepsie aussi, il y en a, c'est naturel, d'autres c'est démoniaque. Mais il y a des centres même spécialisés pour eux là en France. À part les Mongols, il y a des gens qui sont trop agités comme ça, tout le temps agités. Comment ils appellent? Les autistes. À chaque fois, vous allez voir un cas d'autisme dans la famille. Généralement, je dis bien généralement, il y a une œuvre de la sorcellerie dans la famille. De près tout comme de loin.
Et je prie que la puissance de Dieu soit relâchée pour libérer ses enfants, libérer ses hommes, libérer ses femmes au nom de Jésus. Parce que dans la famille, il y a la sorcellerie, il y a aussi des hôtels sataniques. Donc, c'est-à-dire le sorcier garant de la famille, il a un hôtel où il sacrifie régulièrement pour alimenter l'autel. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent comprendre aussi que lorsqu'ils viennent à Jésus, ils doivent aussi élever des autels, leur propre corps qui est un sacrifice, mais aussi des offrandes à Dieu. Nous sommes dans une guerre d'autels. Il y a des puissances terribles qui agissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez les adultes maintenant. Et pas ya. Comment reconnaître que la sorcellerie agit dans ma famille? Lorsque vous avez de manière répétitive des échecs, vous faites que échouer dans la vie. Combien de personnes échouent? Ils n'arrivent jamais à exceller dans la vie. Frères et sœurs, dans ma famille, du côté paternel, les gens sont intelligents. Je crois que j'ai hérité ça du côté des parents, c'est-à-dire du côté de papa. Les gens font des longues études. Ils vont jusqu'à la maîtrise, au doctorat. Mais aucun d'eux ne perce financièrement. Aucun. Je dis bien aucun. Que des misérables brocs. Je ne connaissais pas encore sa réalité. À l'époque, je disais déjà, moi jamais je vais me retrouver dans cette situation. Moi, je vais percer au nom de Jésus. Je mérite de dire des fois. Pour être libéré de ces choses, il faut être en colère. Je suis venu mettre quelqu'un en colère ici. Pour dire que moi, je ne suis pas de cette famille-là. Ah, tu ne m'as pas compris. Même si j'ai le sang de papa et maman. Mais en plus, j'ai le sang de Jésus. Ah, oh, le sang de Jésus coule à moi. Je disais, moi, je veux percer. Moi, je veux réussir. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Comment tu ne fais qu'échouer, échouer, échouer, échouer? Professionnellement, tu échoues. Rien n'avance. Très souvent, il y a une œuvre de la sorcellerie. Dans la famille, rien n'avance. Tu te maries, rien n'avance. D'autres encore, pour se marier, c'est toute une affaire. Il y a des familles où le mariage est un luxe. Un luxe, je vous dis. Combien de belles femmes ne rencontrons-nous pas? Ils te disent, pasteur, je n'en peux plus. Parce que dans la famille, on avait élevé un autel. Le sorcier de la famille avait dit, dans cette famille, aucune fille va se marier. Tu peux avoir plusieurs relations, mais qui n'aboutiront jamais. Ou bien, si la relation aboutit pendant quelques temps seulement, tu dois divorcer. Ça veut dire qu'il y a une œuvre de la sorcellerie dedans. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu dois être libéré de ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Combien sont dans les célibats liés par la sorcellerie? L'échec est un signe de la sorcellerie. Les blocages. Tu sens des limites. Signe de la sorcellerie. Parce qu'on ne veut pas que tu perces. Amen. 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 J'ai vu des familles où, lorsque vous êtes mariés, l'homme ou la femme ne fait qu'avoir des songes en train d'avoir des rapports nocturnes.
Écoutez-moi. Ces choses se font physiquement, pas la nuit. Même si tu es marié, tu vois ton mari ou ta femme en sens, dis-toi, il y a une œuvre de la sorcellerie derrière. Alléluia. La sorcellerie fait des dégâts énormes. Tu ne comprends pas, tu es réclamé. On te réclame. Dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, il est dit, c'est Jésus qui parle à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Lorsqu'il y a des réclamations, que des choses qu'on vient d'inciter, tu dois comprendre que tu dois te lever dans la prière. Même si aujourd'hui on va prier pour toi, mais toi-même tu dois te lever dans la prière pour ta vie et pour ta famille, pour que tu sois libéré de ces réclamations. Le diable réclame ta vie, il réclame ta famille, mais toi tu dois te lever. Et parmi les autres œuvres que nous retrouvons, ce sont des maladies héréditaires, des maladies qui passent de parents en fils. La Bible dit dans Ézéchiel 18, on ne dira plus en Israël ce proverbe. On ne dira plus ce proverbe en Israël. Les parents ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Dans la famille de ton père ou de ta mère, tout le monde meurt d'un arrêt cardiaque. Quand tu regardes ta génération, la même chose. Il y a une œuvre de la sorcellerie. Dans ta famille, tout le monde a le diabète. Et tout le monde dans ta génération atteint du diabète. Tu dois comprendre qu'il y a une œuvre de la sorcellerie quelque part. C'est une maladie qu'on retrouve dans la famille du côté de ma mère. Tous mes grands-pères, grands-mères sont tous morts de diabète. Dans la génération de mes parents, du côté de ma mère et de ses frères, la plupart sont diabètes. Et dans ma génération, il y a mes cousins qui sont aussi, qui ont aussi la maladie du diabète. Je me suis levé, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Je me suis levé en prière. J'ai dit, ni moi ni mes enfants ne seront atteints par cette maladie. Alléluia. Amen. Signe de la sorcellerie. Dans ta famille, les gens ne dépassent pas 50 ans. Avant 50 ans, il y a des morts bizarres. Œuvre de la sorcellerie. J'ai rencontré un jeune qui vient me voir et dit, pasteur, dans ma famille, on ne dépasse pas 30 ans. La personne avait à peu près 28 ans. Elle commençait déjà à avoir peur parce qu'elle sentait la mort venir. Parce qu'elle s'est dit, il me reste encore 2 ans à vivre. Et nous avons prié. J'ai chassé l'esprit humain et l'esprit de mort. Cette personne vit jusqu'aujourd'hui. Elle a dépassé 30 ans. Et je suis venu te dire, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu as raté l'occasion de dire amen. Oh. Vous savez pourquoi au mois de décembre beaucoup de gens viennent à l'église? Je ne sais pas si au Congo c'est pareil, hein? Mais nous en France, à partir du mois de novembre, les églises sont remplies.
Pourquoi? Parce que tout le monde a peur. Il dit, ah, je ne veux pas être cabri. Je ne veux pas rentrer dans la marmite de quelqu'un. Mais les sorciers sont devenus aussi intelligents. Ils laissent les gens le mois de décembre. Le mois de janvier. Ah, tu as oublié les fêtes. Maintenant, février, il attaque. Donc, si tu n'as pas Jésus, sache que tu es une proie pour les sorciers. Et si tu es aussi un chrétien charnel, sache que tu es une proie pour les sorciers. Je suis venu dire à quelqu'un, aucun vrai chrétien ne peut être mangé dans la sorcellerie. Si on t'avait mangé, on va te vomir au nom de Jésus. Tu es comme Jonas, ta chair n'est pas... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres de la sorcellerie. Misala ya bondoki. Quand vous êtes lié par la sorcellerie, vous allez être dépendant. Vous devez être dépendant. Il y a des gens qui ont du mal à se débrouiller dans la vie. Ils ne font que compter sur les gens. Très souvent, c'est une œuvre de la sorcellerie. Quand il y a la sorcellerie dans votre vie, tu vas ressentir la présence de la colère à tout moment. Et cette colère agit souvent dans les couples. Parce qu'il va vous pousser au divorce. L'homme va bouder, la femme va bouder. Ou l'homme ou la femme un jour se lève et puis quitte la maison. Combien de familles souffrent de ça? Il y a la présence de la sorcellerie. Il y a un homme fort qui est là. Et qui veut vous empêcher d'être heureuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'instabilité. Il y a des gens qui sont instables. Sur le plan émotionnel. Un jour il est bien. Un jour il est bizarre. Et ça, on descend même à l'église. Tu peux croire, tu vois un frère gentil, gentil, une soeur. Du jour au lendemain, devient bizarre. Et bon, tout le monde. L'instabilité. Des gens qui sont très instables. Il ne peut pas être dans un travail. Il reste là. Écoute, il part ailleurs. Il y a l'instabilité. Problème de sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Alors, la sorcellerie dans la famille agit aussi par des rites et des coutumes. J'ai dit des rites et des coutumes. Et ces rites, on le voit d'abord dans la naissance, à la naissance. Lorsque les enfants viennent au monde, quelles sont les pratiques qu'on fait à l'enfant? La plupart des pratiques qu'on a fait au bébé sont liées aux coutumes de la sorcellerie. Quand tu étais né, on t'avait pris, on t'avait lavé avec des feuilles. Fais avec moi. Donc encore quand ils naissent, on prend l'os du gorille. Parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit fort. Et puis tu ne comprends pas, l'enfant a l'esprit de gorille. Je fais une délivrance d'un enfant de 5 ans. Il était possédé d'un esprit humain, c'est de sorcellerie et un esprit guerrier.
Mais l'enfant, l'enfant pouvait taper tout le monde. À 5 ans. Tellement qu'il avait une force. Mais au nom de Jésus-Christ, il a été libéré. Amen. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais né? Donc encore quand ils naissent, on prend leur nombril, on va le jeter quelque part. Ce qui est pire encore, c'est voir des chrétiens le faire. Non, nous chez nous c'est comme ça. Dans notre culture c'est comme ça. Dans notre village c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es en train d'inviter des esprits mauvais. Faire des incisions sous la peau. Et on met des choses dedans. En déclarant des paroles. C'est des consécrations aux esprits. Il y a des enfants qui sont consacrés de leur passage. Et aujourd'hui, la mode, c'est avoir des tatouages. Si vous savez le nombre de gens pour lesquels nous prions qui ont des tatouages. Et les démons sont sortis parce qu'ils sont rentrés par les tatouages. Écoutez, vous allez lire Lévitique 19, verset 32. Dieu interdit les tatouages. La Bible interdit ces choses. Ce sont des portes d'accès de démons. Sorcellerie, soit ces choses. Alléluia. Amen. Attention au rite quand l'enfant naît. Attention aussi au nom que vous donnez aux enfants. Quand tu donnes ton enfant le nom de Mampassi. Misère. Souffrance. Souffrance. Et puis le pasteur vient ici, allez, tu es riche. Et toi, tu rentres, t'appelles souffrance. Souffrance, c'est maman. Souffrance, c'est maman. Souffrance, c'est papa. Quelle est la signification de ton nom? Moi je crois qu'il y a des gens qui doivent changer leur nom. Dans la Bible, on a changé le nom des gens. On a changé le nom d'Abraham. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Il a changé le nom de Simon en Pierre. Quelle est la signification du nom que tu donnes? Il y a des esprits sorcelleries qui sont attachés à votre vie par le nom. Il y a comme une connexion. Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Quelle est la signification de ton nom? Sinon change-le. Ce qui te bongo là yango. D'autres rites que nous voyons c'est pendant les mariages. La dot. Attention pendant les rites. Des choses que je suis en train de dire, je le vois au quotidien. Toi, le jour de la dot. Révélez-moi ce qui dort, s'il vous plaît. Tu viens, le mari, tu viens dans la famille de ta femme. Et à l'entrée, on te dit, toi, on doit te porter par la tata moisi. Fais avec moi. Ah. Je commence à m'habituer. Qui a déjà été porté par la tante ici? Tu as honte, hein? Non, aujourd'hui c'est notre délivrance. Qui d'autre? Et puis pendant la dot, on te demande des choses qui sont douteuses.
Il faut amener une machette. Mais machette pourquoi? Tu ne comprends pas. Oui, le monde ok. Et puis tu es étonné, les gens la nuit. Dis avec moi sorcellerie. Non, j'ai pas entendu, dis sorcellerie. Si on te demande, ça ne donne pas. Une jeune soeur a été possédée par un esprit sorcellerie, comme vous savez. Lorsqu'on amène la dot pour donner aux parents, le papa dit, avant de recevoir la dot, il faut entrer sous mes jambes. Là, ton ami, tu vas où? Tu vas où? Dis-lui, tu vas où? Dis-lui, tu vas où? Tu vas où? Depuis la dot, la fille n'était pas stérile, elle est devenue stérile. Problème de fibrom. Le myome bizarre. Impossible de concevoir. Lié par la sorcellerie. Donc encore, lorsque tu es un homme, tu vas donner la dot. Tu donnes une partie, une autre partie, tu ne donnes pas. C'est-à-dire que tu es endetté. Tous ceux qui ont des dettes de dot, allez régler ça. Est-ce que je peux parler à tout le monde ce soir, ce matin? Tu dois tout donner. Parce que ça donne un droit légal à la sorcellerie d'opérer dans ta famille. Alléluia. Amen. Faites attention. Pendant les cérémonies de vos coutumes. Dans la plupart de ces cérémonies, il y a des œuvres de la sorcellerie. Autre chose qu'on voit dans les rites. Pendant les deuils. À la mort des gens. On vous dit, il faut se raser la tête. Tu dois t'habiller en noir et ne pas te laver pendant 40 jours. Tu es en train d'ouvrir des portes à la sorcellerie. Vous avez un mort. Vous lui parlez comme s'il était vivant. Surtout en Afrique ici. Pendant les funérailles. Les gens parlent aux morts. La Bible interdit ça. Lisez Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lisez Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 19. On ne s'adresse pas aux morts. Derrière les morts, il y a un esprit de nécromancie et la sorcellerie fuit ça. Et quand on enterre quelqu'un, toutes les semaines tu vas à la tombe. Oh, j'amène à manger. Oh, je vais balayer. C'est pas mauvais de balayer, hein? Mais quand tu arrives, tu commences à parler. Tu parles. Tu es en train de parler aux esprits. Et la sorcellerie utilise ces choses-là contre vous. J'ai vu même des pratiques au Madagascar. Ou quand quelqu'un meurt, après quelques jours, on déterre son corps. Pour le laver, il y a des pratiques bizarres. Et quand vous regardez dans la vie des gens, la pauvreté, la sorcellerie est en train de dominer. Vous allez au Cameroun, dans une tribu qu'on appelle les Bamileke. Les Bamileke, on appelle les Bamileke. Le jour où j'étais au Cameroun, j'étais étonné. Vous marchez sur la rue, vous allez voir dans chaque parcelle, il y a des tombes. Et on déterre le mort. On va enlever son crâne.
Et on va le mettre dans une maison familiale avec des cérémonies. Comment ne voulez-vous pas que la sorcellerie agisse facilement dans cette famille? Dans l'église où je suis établi, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de personnes qui sont camerounaises. La sorcellerie que je vois dans cette contrée-là, c'est grave. Je vous dis, c'est grave. Attention. On ouvre les portes aux démons. Le culte des morts ouvre les portes aux démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nos familles soient libres. Est-ce qu'il y a des choses qui te réclament? Est-ce que dans ta famille il y a des choses qui te réclament? Regarde ton père ou regarde ta mère. Est-ce que ta vie est la reproduction de leur vie? Si tel est le cas, c'est qu'il y a un lien spirituel. Et derrière chaque lien spirituel, il y a une œuvre, la sorcellerie qui agit. Et les liens spirituels amènent les réclamations sataniques. Et tu dois être libéré de ça. Je disais, tu dois être libéré de ça. Je disais, tu dois être libéré de ça. Tu dois être libéré de cette influence au nom de Jésus. Tu peux être la première personne qui peut amener à la libération. Pour aller en petit à petit, Dieu m'a donné une percée. J'ai fait sortir tous mes frères et sœurs. Je les ai fait étudier. Ils ont fait de grandes études. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont stables. Partout dans le monde. C'est pour dire que c'est possible de renverser ces lois établies dans les familles. Alléluia. Amen. Du côté maternel, on avait dit que tout le monde va mourir de la même maladie. Moi, je n'ai pas la maladie. Et quand la maladie menace, mais essaie de me menacer, je leur donne au nom de Jésus-Christ. Tu peux être la première personne qui va ouvrir la porte à la délivrance de ta famille. Alléluia. Amen. Tu peux être la première personne de briser le règne de ténèbres dans ta famille. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ah, les ténèbres ont régné, la sorcellerie a régné dans ma famille. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Je dis aujourd'hui, c'est la fin au nom de Jésus. Tu as droit au bonheur. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, le salut est entré dans la maison de Zachée. Tu es comme le Zachée de ta famille. Quand Jésus entre dans ta maison, toute ta famille sera sauvée. Et Paul et Silas ont dit à ces geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut va commencer par toi. Je parle à un homme, à une femme ce soir. Le salut va commencer par toi. La délivrance va commencer par toi. Après que toi tu sois libéré, après que toi tu sois libéré, Dieu va commencer à libérer tous les membres de ta famille. Ce n'est pas intéressant que toi tu sois bien, que tout le monde soit bizarre. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Comme aujourd'hui on voit des gens, ils préfèrent réussir seuls pour que tout le monde dépende d'eux. C'est pas bon. Si Dieu t'a fait grâce, sois aussi un canal de bénédiction pour que les autres soient aussi bénis au travers de ta vie. Qui veut être une source de bénédiction ici? Ah, je me l'ai dit, tu veux être une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Ta famille va sortir de ténèbres. Dieu va sortir ta famille du trou noir. Je te parle prophétiquement. Dieu va sortir ta famille de la pauvreté extrême. Dieu va sortir ta famille de morts bizarres. Dieu va sortir ta famille de maladies bizarres. Dieu
va sortir ta famille du célibat qui régnait. Aujourd'hui, je déclare la fin du règne du célibat. Après cette veillée, les gens vont commencer à se marier. Tu ne connais pas mon Jésus. Je dis, tu ne connais pas mon Jésus. Personne ne peut rentrer, rencontrer Jésus et rester la même personne. Quand on rencontre Jésus, quelque chose se passe. Et pour que Jésus bénisse ta famille, il n'a pas besoin de voir tout le monde. Il a juste besoin de te voir. Tu es le point de contact du salut de ta famille. Tu es la porte d'entrée de la bénédiction de Dieu dans ta famille. Je suis venu dire la sorcellerie sera anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon épouse. On s'est rencontrés en 2000. Et nous sommes mariés en 2003. Elle est la deuxième de la famille, elles sont quatre filles. Aucune fille dans la famille ne se marie. Il y avait comme une loi qui disait que les filles ne vont pas se marier. L'aîné a connu une relation qui s'est mal terminée, une deuxième relation qui s'est mal finie. Mais quand elle m'a rencontré, je lui dis que tu as rencontré la bonne personne. Je dis, tu as rencontré la bonne personne. Nous allons mettre fin à cette loi. Il y a eu beaucoup de combats. Donc, n'aie pas peur des combats. N'aie pas peur des attaques. Les attaques, c'est pour mesurer quelle force tu as. C'est pourquoi j'aime les attaques. C'est un moyen pour démontrer la puissance de Dieu qui est en moi. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, c'est pas des blablabla. C'est la puissance. Oh, la sorcellerie a la puissance. Mais celui qui est en moi, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Après 2 ans et demi de fiançailles, je l'ai marié par la force. Et le jour du mariage, j'ai déclaré, à partir d'aujourd'hui, les mariages entrent dans cette famille. Et je vous dis, toutes les filles aujourd'hui sont mariées. Ah, tu es la porte d'entrée de la bénédiction de Dieu dans ta famille. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Dieu va te donner beaucoup d'argent pour que tu sois le canal par lequel ta famille va sortir de la pauvreté. Excusez-moi, la pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté est une malédiction. Je ne parle pas du manque. Tu peux manquer sans être pauvre. La pauvreté est un démon. Mon Dieu n'est pas pauvre. La Bible dit qu'il est riche en bonté. Il est riche, tout le ciel, la terre lui appartiennent. Comment ton père est riche, toi tu vis dans la pauvreté. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une compatibilité. Je suis venu mettre un point, un terme à l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tes enfants vont réussir. Tes enfants vont faire des grandes études. Tes enfants iront loin. Dieu va faire de toi la tête et non la queue. De la poussière, il retire les pauvres. Tu fumes l'indigent.
maison. Et il les fait asseoir avec les grands. Et les grands de son peuple. Et si tu lui te dis, Dieu va te positionner. Je vois quelqu'un ici qui va avoir la promotion. Ah, comme Daniel à Babylone. Tu ne vas pas te mélanger. Mais dans la sainteté. Dieu va te prendre de là où tu es. Et il va te donner la promotion. J'ai dit, après cette veillée, il va y avoir des promotions. Sur le plan professionnel, sur le plan des affaires. Reçois cela au nom de Jésus. Ah, je disais, reçois cela. Je disais, reçois cela. Je disais, reçois cela. Mon Dieu est spécialiste en positionnement. Même si tu es quelqu'un qui s'assoit à la porte comme Mardoché, il va te prendre là et te mettre à la tête. Même si les gens t'ont mis en prison comme Joseph, Dieu va te prendre de la prison, tu vas devenir premier ministre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est une parole prophétique pour quelqu'un. C'est un message prophétique pour quelqu'un. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. L'élévation ne vient pas des hommes. Un homme peut t'élever aujourd'hui, demain il te fait asseoir. Mais quand Dieu t'élève, quand Dieu élève quelqu'un, Jésus-Christ a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Personne ne peut le faire asseoir. C'est pour ça qu'on sortit de la sorcellerie. Un seul secret. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais Jésus-Christ. 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 Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une organisation. Mais c'est un nom. Il y a un nom. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et qui est devenu la principale de l'homme. Il y a de salut. Il y a de délivrance. Il y a de restauration. En aucun autre nom. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes. Par lequel il devait être sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi, et ta famille. D'abord toi, ensuite ta famille. Et tu as besoin de la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque tu as la foi en Jésus, Jésus devient comme l'arche de ta famille. Jésus devient la protection de ta famille. Ta famille sera sauvée. Je suis venu dire à un homme. Je suis venu dire à une femme. Ta famille sera sauvée. Je vois les liens qui tombent. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les prisons qui se ferment. Les prisons qui sont en train de s'ouvrir. Le nom de Jésus est le nom puissant. Et le nom glorieux. Le nom qui libère ma famille. C'est pourquoi. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, elle avait connu 5 divorces. Elle vivait dans le concubinage. Et la rencontre avec Jésus, le septième homme. Le septième homme. Le chiffre 7, c'est la perfection. Tu as besoin de le rencontrer. Oh, quand tu le rencontres, ta vie change. Tu as longtemps bu dans ces puits-là, tu es toujours assoiffé. Mais lorsque tu viens boire à la source intarissable, à la source qu'on appelle Rehoboth, largesse. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu viens à Rehoboth, largesse. Quand tu viens au véritable puits, la source intarissable.
tu n'auras plus soif. Jésus va étancher ta soif, ma soeur. Jésus va étancher ta soif, mon frère. Ce qu'un homme ne peut pas te donner, Jésus peut te donner. Tu n'as pas besoin des hommes, tu as d'abord besoin de Jésus. Tu as longtemps cherché parmi les hommes, tu n'as pas trouvé. Maintenant cherche Jésus. Je suis venu élever un seul nom ce soir. Je suis venu présenter un seul homme ce soir. Je suis venu présenter Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sans lui, il n'y a pas de destruction des œuvres de ténèbres. Il est monté à la croix. Et à la croix, il a effacé l'acte avec les condamnations. On a dit que tu es malade. On ne voit pas la maladie. Oh Christ. Oh cancer. Oh hémorroïde. Hernie discale. Problème de cœur. Problème de tension. Hépatite ABCD. Ah, on a dit que tu as une maladie orpheline. Mais le nom de Jésus, la Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui assainit les eaux, c'est le nom de Jésus. Le nom qui va sauver Matari, c'est le nom de Jésus. Je suis venu dire Matari pour Christ. Jésus va sauver cette ville. Jésus va sauver les familles. Jésus va sauver les couples. Jésus va sauver les tribus. Jésus va sauver le Congo. Il est le salut du Congo. Il n'y a pas un homme. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Si tu le crois, acclame-le très fort. Si tu le crois, acclame-le plus de joie. Vers le nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que tu peux te lever pendant quelques minutes pour vouloir adorer Jésus? Avant de commencer la prière, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi.
Se continue, commence à remercier Dieu pour sa parole. Dis-lui merci, tous les merci. Sois reconnaissant. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Mon âme te bénit, Seigneur. Parole nous dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est pleine. Ce soir, tu nous as envoyé ta parole pour nous guérir, nous faire du bien, nous délivrer de l'empire du diable. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allant de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant tout ce qui était sur l'empire du diable. Dieu était avec lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Je reconnais que dans toutes les familles, il y a l'œuvre de la sorcellerie. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Du moins pour cette première phase de prière. Quand je sais que toutes les familles sont la sorcellerie est impliquée dans toutes les familles. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Vous allez venir après pendant. Enfin, si vous êtes concerné par un message, je vous appellerai. Mais nous allons d'abord faire quelque chose. Chacun de nous va poser sa main sur sa tête. Nous sommes debout, s'il vous plaît. À moins que vous soyez malade, mais nous sommes debout dans sa présence. Tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas libérer ta vie et tu vas libérer ta famille de tout pouvoir de la sorcellerie. Et j'aimerais que tu pries sérieusement. Avant que je puisse prier pour toi ou que les hommes de Dieu puissent prier pour toi, j'aimerais que toi-même tu sois impliqué. Alors tu vas prier, tu vas briser l'œuvre de la sorcellerie. Tu vas détruire, arracher, abattre toutes les germes de la sorcellerie. Toutes les semences de la sorcellerie qu'il y a dans ta vie. Il y en a certainement, tu n'es pas conscient. Il y en a qui risquent même d'être saisis par l'onction et même d'autres peuvent même commencer à vomir. Ne sois pas effrayé si tu sens des choses en toi. La puissance de Dieu est relâchée. Tu as simplement ta main posée sur ta tête. La main de Dieu vient se poser sur chacun d'entre nous. Alors tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Élève ta voix et commence à prier. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Commence à détruire. Détruis l'œuvre de la sorcellerie. Dis, je détruis l'œuvre de la sorcellerie dans ma vie. Je détruis l'œuvre de la sorcellerie dans ma famille. Au nom de Jésus. Tout ce qui amène des blocages. Tout ce qui amène des limites. Tout ce qui amène des liens. Brise-les. Brise-les. Prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Brise. Détruis. Consume. Consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Les limites vont tomber aujourd'hui. Les chaînes vont tomber ce soir. Les liens seront brisés ce soir. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je sors de la prison. Je sors ma vie de toute prison. Je brise tous les liens spirituels dans ma vie. Toutes les chaînes qui me lient sont brisées maintenant. Je dis toutes les chaînes qui me brisent et liées sont brisées maintenant. Au nom de Jésus, je brise les liens de la pauvreté dans ma vie. Je brise les chaînes de l'esclavage dans ma vie. Je brise les liens de la misère dans ma vie. Au nom de Jésus,
l'échec soit brisé maintenant. Je brise la maladie. Je brise l'esprit de mort dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que les liens qui m'accablaient tombent au nom de Jésus. Ambramana Shanda Baba Baba. Prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Là où il y avait l'envoûtement soit brisé. Si tu avais mangé des choses envoûtées, que tu les vomisses aujourd'hui. Shanda Baba 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 Baba. Tout ce que j'ai mangé, qui était de la sorcellerie, je l'ai vomi. Tout ce qui amène l'envoûtement dans ma vie, je l'ai vomi au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction auxquelles j'avais cru, Seigneur, je viens les vomir au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, prie sérieusement, prie sérieusement. Tu dois être libéré ce soir. Tu dois être libéré au nom de Jésus. Ton ministère doit être libéré au nom de Jésus. Tes affaires doivent être libérées au nom de Jésus. Ta profession doit être libérée au nom de Jésus. Shandaba Rama Shana. Shandaba Rabo Shekaya Babana. Shebretana Maya Babara Sandaba. Eberebo Shebelebo Koria Marava Sanda. Ebrekaya Babara Shebelebo. Libère ta vie de toute influence de la sorcellerie. Puis je libère ma vie de toute influence de la sorcellerie au nom de Jésus. Je libère ma vie maintenant de toute influence de la sorcellerie. Je libère mon ministère de toute influence de la sorcellerie. Je garde ces choses et je le loin de loin de ma vie. In the name of Jesus. Romana Sanda, Ekerebo Shenderebo Koria Mana Sanda, Ekere Kamayanda Borobo Shenderebo, Ekerebo Shenderebo, prie avec moi, prie sérieusement, prie sérieusement. Oui, c'est très sérieux ce que nous sommes en train de faire, c'est très sérieux. Il y a des blocages qui vont tomber, il y a des blocages qui sont en train de tomber, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Au nom de Jésus, toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent au nom de Jésus. Maintenant même, je dis maintenant même, le nom de Jésus c'est la clé. Jésus a la clé de ta vie. Lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvrira. Je ferme ma vie aux puissances sataniques et j'ouvre ma vie à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait des ouvertures. Je prie qu'il y ait des percées spirituelles. Je prie qu'il y ait des opportunités. Je prie qu'il y ait des faveurs dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes les réclamations sataniques tombent. Toutes les personnes qui font les incantations avec mon nom sont dans la confusion maintenant. Au nom de Jésus, partout où ma photo apparaît quelque part pour faire des incantations, je viens brûler cela au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Détruis la sorcellerie dans ta vie. Détruis-la, détruis-la. Elle est agissante des fois de manière subtile, même subtilement, sans le savoir. Détruis cela au nom de Jésus. Fire, fire, fire. Randa baraba shanda ya baba. Randa baraba shanda ya baba. Nebra zanda barama nazibe. Ebrenda bezeka na baraza. Ebreka na na branda bazika. Ebranda bazimra zanda baba. Ebra zanda baba baba baba. Ebre brozo bobo kurama. Je tumone, je tum puissant. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Toute influence est paralysée. Ok, maintenant nous allons prier. Tu vas prier en tapant les mains. Tu vas prier, tu vas libérer toute ta famille de l'emprise de la sorcellerie. Tu vas citer les personnes que tu connais dans ta famille. Ça peut être tes parents, tes enfants, tes cousins, tes oncles, les gens que tu connais. Commence à prier. La Bible déclare que Dieu délivrera même le coupable qui donnera son salut à la pureté de tes mains. Tu peux prier ici, la puissance de Dieu peut être en train d'attendre.
agis. Commence à prier. Plus sérieusement, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Libère ta famille. Commence à libérer ta famille. Je libère ma famille au nom de Jésus. Je libère le célibat. Je libère ma famille de la pauvreté. Je libère ma famille de l'incrédulité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ma famille de l'esprit de mort, de l'esprit de peur, de l'esprit de chute. Au nom de Jésus, de l'esprit de la sorcellerie, je détruis la sorcellerie dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as reçu le nom de Jésus, détruis le nom de Jésus. Tu as reçu la puissance, détruis, 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 au nom de Jésus. Envoie le feu, consume, au nom de Jésus-Christ, brise, au nom de Jésus. Power! Dans ma famille, je libère la sorcellerie. Je libère les membres de ma famille de la sorcellerie. Je le libère, je le libère, je libère mes enfants, je libère mes parents, je libère mes cousins, je libère mes cousines, je libère mes oncles, je libère mes tantes. Au nom de Jésus, de près, tout comme de loin, qu'ils soient libérés. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Il y a quelque chose qui se passe. Le brozo je libère ma famille, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, envoie le feu maintenant, consume les œuvres de la sorcellerie, la maladie est consumée, la pauvreté, l'échec, la rébellion. Toutes ces mauvaises choses sont consumées par le feu de Dieu, sont détruites au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Jésus-Christ a triomphé. Le nom de Jésus détruit les œuvres de la sorcellerie. Les sorcières reculent. Les ténèbres sont repoussées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma famille spirituelle. Dans ma famille biologique. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Dans l'église, je détruis les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans mon foyer, je détruis les œuvres de la sorcellerie. Dans mon couple, je détruis les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, je détruis les œuvres de la sorcellerie. Amen. Toutes les flèches du diable, toutes les flèches de l'ennemi, au nom de Jésus, sont brisées. Je dis sont brisées. Brisées au nom de Jésus. Prie comme un homme violent. Prie comme une femme violente. Oui, le royaume des cieux appartient aux violents. Sois violent ce soir. Cette nuit est une nuit de combat. Une nuit où nous détruisons, nous paralysons les œuvres des sorciers. Chakaya tabarata kaba. Yandabarava shaka. Yandabarava shanda. Saint-Esprit, 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 allume ton feu pour consumer leurs œuvres. Ayaka mamanamanamanamanamanama. Yakada ba 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 ba
sanda, ebra kayamana sanda, ebra kayamana sanda, yana brakada sanda. Je détruis depuis la racine, j'arrache les bases de la sorcellerie, je détruis les paroles de la sorcellerie, détruis les mauvaises paroles. Commence à détruire les mauvaises paroles. Tu as été libéré dans ta vie, libéré dans ta famille. Détruis-les au nom de Jésus. Oh, ce soir c'est chaud. Ce soir c'est terrible. Ce matin c'est terrible. C'est terrible ce matin. Oh, 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 oh. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Quelle présence de Dieu. Quel feu de Dieu ce soir. Maman, maman, maman. Oh là, bah, 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 bah. Le peuple se lève comme un seul homme pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Aratama Shaka. Etaya baba baba baba. Dans toutes les familles de ce quartier de Matari, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Oh la kaya bashaka. Etaya mama 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 mama. La sorcellerie qui agit par l'envoûtement. La sorcellerie qui agit, oh oui, par la peur, l'intimidation. La sorcellerie qui agit par la jalousie, par la division, la rébellion. Nous détruisons leurs œuvres. Shanda. Oh, et la machanda, et la machanda. Plus de division, non, plus de division, plus d'orgueil, plus de séparation. Au nom de Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Lève tes mains vers le ciel.